Alors, en général, nous rencontrons quelques difficultés de recrutement puisqu'il est très difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre qualifiée, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous ne faisons que de la rénovation et nous travaillons principalement chez des particuliers. Donc, nous avons besoin d'une main-d'œuvre qui soit quand même experte dans le métier. Donc, d'où notre difficulté à rencontrer, à recruter aujourd'hui des gens qui ont cette qualification-là. Il y a eu un manque de formation et manque de jeunes pendant des années. Apparemment, il y a une recrudescence. D'ailleurs, on voit bien l'État aussi fait des efforts. Et à l'heure actuelle, on revoit un petit peu de monde, mais il y a encore un gros manque de qualifications, sachant qu'on s'en va sur des départs retraite. Il y a toute une génération de plus de 50 ans. Donc, on va avoir un déficit de professionnels dans les années à venir. Et donc, nous sommes toujours en recherche de gens qualifiés. Les profils recherchés sont essentiellement des jeunes intéressés par le métier, motivés, qui ont conscience que c'est un métier relativement rude, mais quand il y a motivation, je pense qu'on arrive à dépasser cette pénibilité du travail. Surtout un profil motivé. Et le gros problème de notre métier, c'est d'être... De travailler en fonction de la météo et à travailler un petit peu dans des conditions pénibles, dans la boue, surtout l'hiver. Recruter des personnes un peu qualifiées dans certains domaines, en fait. Donc d'où le problème de trouver la bonne personne adaptée au secteur.